bonsoir, vous êtes bien sur la libre antenne sur Meta TV, comme tous les soirs de 21h à minuit sur metatv.org. Ce soir, une grosse émission avec beaucoup d'invités dans les studios. Donc à ma droite, j'ai déjà Marcella, donc, qui est une victime de l'aspartame, hein, qui viendra nous parler tout à l'heure, qui nous donnera son témoignage. Puis nous avons Corinne Gouget. Hein. Corinne, on vous connaît très, très bien sur la toile. Hein, vous avez fait de nombreuses vidéos. Et puis le professeur Marc Henry. Ravi d'être là. Voilà, un éminent scientifique qui a pris cause aussi pour ce combat contre l'aspartame. Alors, ma première question, c'est un peu pour placer, on va dire, le débat pour nos téléspectateurs, parce que tout le monde ne connaît pas l'aspartame. Non. On ne sait pas vraiment, on entend, c'est un terme un peu barbare, comme ça, aspartame. Il faudrait revenir à la base. Qu'est-ce que l'aspartame? Alors, quand vous posez la question à quelqu'un dans la rue, par exemple, il vous dit c'est un faux sucre. Ou c'est pour les diabétiques, ou c'est pour maigrir, ou c'est un sucre. Mais en fait, ils ne savent pas de quoi c'est fait du tout. Vous leur dites E951, ils ne sont pas forcément conscients que c'est le code qui cache le mot aspartame. Et dans le doute, surtout en France, puisqu'il y a eu des études en Italie, il y a eu des études au Danemark, on ne parle surtout pas des études du passé aux États-Unis ou à Barcelone en 98, et bien dans le doute, le français continue. Parce que comme on n'est pas sûr que c'est dangereux et ce n'est toxique que sur des rats apparemment, et bien on continue à consommer tant de chewing-gum par jour, tant de bonbons, tant de litres de soda light, et dans le doute, on continue. Et jusqu'à ce que parfois mort s'en suive. Donc il y a un système, on va dire, de désinformation. C'est dangereux peut-être, mais on n'est pas sûr. Il faudrait rabaisser la dose journalière admissible. Et en fait, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. On laisse les doses déjà autorisées dans la nourriture. Et les gens continuent. Donc c'est des enfants qui mangent des chewing-gums pour enfants. C'est des diabétiques qui prennent ce genre de produit que tout le monde connaît. Ah oui, c'est pas... Depuis 1985, c'est des gens qui pensent consommer des bonbons aux plantes et qui sont bourrés d'aspartame, où il n'y a que 0,4% du mélange des 13 plantes. Et puis, c'est des gens, et beaucoup de jeunes adultes, qui consomment ce genre de produit jusqu'à 5 litres par jour, à 23 ans. Et là, ça fait grossir, c'est l'obésité morbide, ou la sclérose en plaques, etc. Et on ne dit rien, il n'y a pas de prévention, il n'y a pas d'information, ce qui constitue, à mon avis, un total viol de l'article 17 de la Convention internationale de l'enfant, qui prévoit que les États et les médias, dont je vous remercie de nous accueillir ici aujourd'hui, permettent aux enfants et aux parents d'avoir accès à des sources nationales et internationales pour le bien-être spirituel, social, mental et physique de l'enfant. Donc toutes ces sources internationales qui existent et qui sont là et que j'ai apportées avec moi, qui existent depuis les années, pour le glutamate des années 55, pour l'aspartame des années 74, devraient être mises à disposition du public français. Sauf comme tout est en anglais, on dit rien. Parce que ça fait longtemps que ça existe, alors l'aspartame, L'aspartame, à la base, a été découverte fortuitement en 1965 dans les laboratoires de Searle aux États-Unis, où apparemment un laborantin était en train de créer un médicament pour les ulcères. Et l'histoire dit qu'en feuilletant un document, il a trempé son doigt dans la poudre blanche et il a dit, tiens, c'est sucré. Mais à l'époque, on cherchait un remplacement de la saccharine, qui était l'édulcorant pendant la guerre. Et comme Searle était un laboratoire qui faisait presque faillite, qui avait de gros soucis financiers, ils se sont dit, tiens, on va appeler ça aspartame. Et donc, très rapidement, dès les années 69-70, avec le professeur John Olney, qu'on voit dans d'autres vidéos sur le glutamate, ils ont réalisé que ça provoquait des lésions cérébrales chez la souris. Et John Olney a tout fait pour qu'on ne mette pas ce produit dans l'alimentation. Donc, ça a été un long débat qui a duré 14 ans. Et il y a eu cette célèbre étude sur les singes de Monkey Study, dans les années 70, où on a vu que ça faisait de graves problèmes au niveau du cerveau, mais les autopsies ont été trafiquées, et à la tête de ce laboratoire a été placé le célèbre Donald Rumsfeld. D'accord. Et oui, et lui, sa mission, c'était de mettre l'aspartame dans la nourriture, coûte que coûte, pour sauver le laboratoire. Donc du coup, il y est parvenu, même malgré les oppositions de groupes d'avocats, de groupes de consommateurs, etc. C'est très très long. Donc il y a toute l'histoire dans un film qui s'appelle « Faux sucre, vrai scandale » qui avait été repris par Que nous diffuserons. Voilà, et qui est de Corey Brackett. Et c'est cette femme qui a maintenant 43 ans à peu près, qui était atteinte d'une sclérose en plaques en 2002, après 20 ans d'addiction au soda light. Elle était en fauteuil roulant, 14 tâches dans le cerveau, 34 kilos en trop, des problèmes de motricité et de vue. Et en tapant aspartame en 2002 sur Internet, elle a découvert brutalement la vérité.
Donc elle a mis beaucoup de temps pour se faire désintoxiquer. Il y a des centres de désintoxication aux États-Unis, chose qu'il n'y aura pas en France. Et elle a réalisé ce film Sweet Misery, A Poison World, qui est sorti en DVD, si je ne me trompe pas, 2004-2005. Et moi, quand j'ai acheté ce DVD, je l'ai regardé, je l'ai montré à un ami biologiste de l'époque, en France, et il m'a dit « Corinne, ce film est une bombe, dépêche-toi de le traduire ». Bon, à l'origine, il fait 90 minutes. Mais elle n'avait pas l'argent, Corey Brockett, pour le payer des gens pour le sous-titrer. Donc moi, j'ai traduit bénévolement pendant un an tout le film sans script. Donc j'avais un doute, elle me disait ce que disait la personne. Et puis, il y a eu une modification. Et puis du coup, ben, son mari n'avait pas l'argent non plus pour faire graver des DVD et sous-titrer en français. Donc ça a traîné. Et il y a une chaîne privée qui a racheté les droits d'auteur à un distributeur pour réduire le film de 90 minutes à 55 minutes à peu près et le doubler. Mais il manque presque la moitié du film, ce qui est vraiment décevant, surtout les chapitres en plus. Donc c'est déjà ça. Deux ans plus tard, elle a sorti Sweet Remedy, mais qui dure plus de 2h30. Et là, c'est ce qu'on peut faire une fois qu'on a mangé de l'aspartame, du glutamate monosodique ou des OGM, puisque ces deux additifs contiennent, pourraient contenir aussi des OGM. Et ça, ce film, Sweet Remedy, n'est toujours pas en français, parce qu'elle n'a pas les moyens de dépenser 4 000 ou 5 000 euros pour le sous-titrer correctement en français. Donc, ce qui constitue encore un retard pour la population francophone, pour savoir la vérité, ce qui me met des fois en colère, parce que je me dis, ces gens ont droit, même les enfants, ont droit à ces informations, et elles ne sont pas transmises. Donc, en ce qui concerne la vidéo qui est maintenant sur YouTube depuis 2009, la vérité sur le glutamate monosodique, dernière question largement dans ce livre-là, qui est sorti en 2013, It Was Not Alzheimer, It Was MSG, de Adrienne Samuels, une amie aux États-Unis. Donc, ce n'était pas Alzheimer, c'était le glutamate monosodique. Et ce reportage qui est sous-titré donc sous le nom La vérité sur le glutamate monosodique, c'est qu'on diffusera tout à l'heure aussi, hein. Qui fait 13 minutes, oui. Était passé à la télé, figurez-vous, en novembre 91. Je répète, novembre 91 aux États-Unis. Et ça a mis le feu aux poudres aux États-Unis, parce qu'il y avait le docteur Schwartz, qui est l'auteur de ce livre, qui a plus de 22 ans, voilà. dans ce reportage de 13 minutes. Et les lobbies qui fabriquent le glutamate monosodique ont fait pression pour que ça ne soit pas diffusé ailleurs. Donc c'est repassé en début 92 à la télé là-bas, mais après, fini. Mais si ce petit reportage de 13 minutes était passé à l'époque, parce que le rôle des médias c'est ça, c'est de faire passer des informations internationales, nous aurions moins, en France aujourd'hui ou en Europe, moins de cancer, moins de Parkinson, moins d'Alzheimer, moins d'arrêt cardiaque, moins d'AVC, moins de pathologies. Et dans ce livre qui est sorti cette année, Adrienne Samuels, qui est la veuve de Jack Samuels, une sommité en matière de glutamate, à raconter tout leur parcours pendant plus de 20 ans pour expliquer ce qui s'est passé, toutes ces histoires de corruption, de lois violées, d'autorités sanitaires corrompues, et ce reportage qui avait été bloqué il y a plus de 22 ans maintenant et qui aurait pu être diffusé en Europe. Donc ça c'est pour le glutamate, mais c'est le même fabricant qui, dans le monde, qui fabrique aujourd'hui l'aspartame et le glutamate monosodique. Il s'agit de Monsanto, c'est bien ça? Alors, comme on le voit dans le film de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, Monsanto a aussi trempé dans l'affaire aspartame. Et à un moment, il a tout revendu à d'autres organismes. Et Ajinomoto fabrique des sachets. Ça, on l'achète à Belleville. Hein. Des sachets comme ça, depuis 1909, sur le marché, ça, c'est du glutamate pur. Donc les restaurants asiatiques mettent un petit peu de pincée pour donner du goût. C'est un exhausteur de goût. Il n'a que ça comme rôle, donner du goût à quelque chose qui n'en aurait pas, comme les plats préparés. C'est pour ça qu'on le retrouve partout, quoi, l'aspartame. L'aspartame, là c'est du glutamate. Alors ça c'est le glutamate, d'accord. Il y a deux additifs neurotoxiques. Et ça, on le sait depuis les années 50-60 pour le glutamate et depuis les années 74 pour l'aspartame. Donc on appelle ça des excitotoxines. C'est un terme créé par John Olney en personne qui a fait plus de 200 études sur le glutamate. On le voit bien dans le reportage La vérité sur le glutamate monosodique. Et donc, quand le docteur Schwartz a sorti ça dans les années 90, le professeur Russell Blaylock, qui est très connu dans le monde entier, sauf vraiment en France, lui, il était choqué, et comme il était neurochirurgien, il a écrit ce livre, qui est sorti en 1997. Et pourquoi on l'empêche pas de parler, il a mis plus de 493 sources scientifiques à la fin du livre. Donc on n'a pas pu le faire taire. Et il a jamais arrêté de dénoncer ces excitotoxines. Donc c'est un neurochirurgien, c'est un livre un peu médical, en anglais, qui n'a jamais été traduit en français, mais où il y a vraiment les dessins de ce qui se passe au niveau des neurones et du cerveau,
à chaque fois qu'on consomme ces excitotoxines. Donc une excitotoxine, comme il le dit dans une conférence qui a 15 ans en Californie, c'est une molécule toxique qui a la triste capacité de traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une membrane qui protège, qui est censée protéger le cerveau de ces produits chimiques. Mais quand l'enfant naît, eh bien, cette membrane elle n'est pas complètement formée, elle va se former, après l'adolescence. Et donc le cerveau d'enfant est beaucoup plus sensible que sa maman ou son papa à ces produits-là. Et donc le cerveau d'une personne diabétique ou qui fait du sport intensément, c'est très bien expliqué dans tout le livre, va être plus fragile aussi parce que cette barrière hémato-encéphalique va tendance à être poreuse. Et à l'âge avancé, au troisième âge, on va dire, quand on vieillit, et bien là, le cerveau est beaucoup plus sensible à ces excitotoxines. Et donc, il y a toutes les sources scientifiques, il y a toutes les études, c'est incroyable ce livre, et je l'ai découvert, moi, uniquement en 2004, à mon grand désespoir, parce que moi aussi, comme on va l'apprendre avec Marcella aujourd'hui, qui a la gentillesse de venir, l'aspartame a brisé ma vie, ma famille, sans que j'en prenne. C'était deux personnes dans ma famille qui en prenaient d'énormes quantités. Il faut savoir donc que ces deux additifs alimentaires, l'aspartame qui est un édulcorant synthèse, ou E951, dans aujourd'hui, selon Betty Martini, la présidente de l'association Mission Possible Internationale aux États-Unis depuis 20 ans, eh ben, c'est dans 14 000 produits alimentaires et dans plus de 600 médicaments. C'est-à-dire qu'en France, dans les médicaments aussi. Pour bébé, vous avez un médicament qui est là, qui a été prescrit pendant plus de 20 ans à des ans, à des nourrissons. C'est marqué, regardez. Il y a marqué enfants et nourrissons. Vous donnez de l'aspartame aux nourrissons. Bien sûr. Vous allez dans le sud de la France, je dirais pas la maternité, un bébé il naît le premier jour de vie, au mois de mars, hein, là, cette année, hein, donc 35 ans plus tard, il a mal au ventre. Un bébé qui vient de naître, il a mal au ventre, c'est peut-être normal, on ne va pas se paniquer. Eh bien on lui met dans un biberon un sachet de ça, un médicament à l'aspartame, il a 24 heures le bébé. C'est quand même incroyable. Mais je vous jure que c'est vrai. Ah non, mais c'est... Moi, ça, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, qu'une maman qui vient d'accoucher et qui a son premier enfant, qui n'est pas au courant des effets secondaires de l'aspartame, surtout chez un nourrisson, on va dire, c'est légitime, c'est pas sa faute. Mais qu'un médecin ou qu'un diététicien dans un hôpital pour enfants conseille l'aspartame en poudre dès l'âge de 3 ans ou donne ça à un nourrisson, là, je peux pas pardonner. Parce qu'ils sont bilingues, ces gens-là. Ils sont censés savoir, ils sont médecins, ils sont neurochirurgiens, ils sont pédiatres, ils sont diététiciens. Il y a des pédiatres ou des diététiciens en France, jusqu'à il y a encore 2-3 ans, qui ont conseillé l'aspartame aux femmes enceintes qui commençaient un diabète gestationnel. La maman. C'est incroyable parce qu'en France, vous êtes une des seules. Alors, nous sommes contents, nous avons le professeur Marc-Henri. Parce que... Et je le remercie d'être là parce que j'ai que deux scientifiques en France qui me soutiennent. Voilà, je rappelle, vous êtes professeur de chimie moléculaire à l'Université de Strasbourg, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc vous êtes un scientifique, un vrai, parce qu'on reproche souvent effectivement voilà, à Corinne de ne pas être une scientifique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tout ce que dit Corinne, comme elle n'a pas, disons, la culture scientifique qu'on attend d'un professeur ou de même de tous les noms qu'elle a cités, on a tendance à dire elle ne sait pas de quoi elle parle, de toute façon elle n'y comprend rien. Donc moi j'ai cette caractéristique, c'est que je soutiens Corinne dans son combat. Je vous remercie. Parce que moi j'ai lu tout ça. Tous ces livres, parce que moi je suis bilingue français-anglais, donc j'ai pas les problèmes d'accès. Et quand on lit ces livres, c'est vrai que moi au départ, quand j'ai contacté Corinne, c'était... Oui, il y a longtemps. C'était il y a longtemps, mais c'est... En fait, c'était parce que je devais faire un exposé, vous savez, sur cette fameuse expérience qu'on appelle Coca-Mentos. Ah oui, on met du Mentos. C'est-à-dire, on met des Mentos et on met un soda light. Et je m'étais intéressé à savoir pourquoi il fallait mettre un soda light pour que ça marchait. Et puis alors, c'est là où j'en suis venu à me dire, bon, ben, soda light, j'ai tapé aspartame, et là, je suis tombé donc, sur toute cette littérature. C'est-à-dire que je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc j'ai envoyé un mail, parce que je ne savais pas que Corinne existait, donc j'ai envoyé un mail à Betty Martini, puisque c'était elle qui semble, son nom revenait tout le temps sur le net, Betty Martini, donc... Et Betty Martini, évidemment, m'a dit, eh ben, vous êtes français, prenez contact avec Corinne Bouget, qui en France est la représentante de Mission Possible. Donc j'ai pris contact avec Corinne, et c'est là où bon, ben, j'ai découvert donc, tout ce monde, donc ce monde des excitotoxines, j'ai beaucoup lu les livres de Russell Blaylock, parce que moi j'ai une culture chimique, donc je peux, s'il y a des gens qui sont intéressés, évidemment,
vraiment expliquer ce qui se passe moléculairement parlant, au niveau du cerveau, quels sont les effets de toutes ces molécules qu'on trouve dans ces produits-là. Et là, c'est une connaissance qui est de nature scientifique. Ce n'est pas une connaissance simplement... j'ai accès, de par mon travail, à toute la littérature scientifique, c'est-à-dire des journaux que personne ne lit, sauf 3-4 personnes, parce que ça coûte tellement cher de s'abonner. Donc moi, j'ai accès à ces articles-là, et ça me permet donc de soutenir Corinne dans son combat, d'affirmer que tout ce qu'elle dit, et j'ai lu son livre en entier, le petit livre là que tout le monde devrait avoir avec soi. Parce qu'il est là, voilà. En français. Où elle met des codes de couleurs, elle met des codes de couleurs justement, parce que c'est un livre qu'on peut mettre dans sa poche, et comme ça on regarde les étiquettes et on sait s'il faut acheter ou pas. Donc tout ce qui est là, je peux valider, bon, pas à 100% parce que c'est pas très grave. Il y a tellement. Disons que je valide à peu près à 95% les labels que met Corinne. C'est-à-dire qu'elle a bien compris le problème. Ce qui m'a scandalisé, c'est la manière dont on l'a traité, ce qu'on lui a fait. Et c'est pour ça que je suis aussi à ses côtés. Parce que je trouve ça inadmissible qu'on a en France ce qu'on appelle des lanceurs d'alerte. Et que ces lanceurs d'alerte soient, on ne dirait pas martyrisés, mais vraiment on leur met des bâtons dans les roues. Et chez Corinne, c'est allé très très loin. Et il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Donc c'est là où il faut se battre contre ces choses-là. Vous-même n'avez pas eu de problème dans votre profession non, par rapport à cette prise de position? Je ne peux pas, parce que, je veux dire, moi, si on me dit l'aspartame, prouvez-moi que c'est toxique, je peux sortir 500 articles. Qui le démontre sans ambiguïté. On a cette barrière hémato-encéphalique, on sait très bien que dès qu'elle est poreuse, ça y est, vous êtes exposé. Alors évidemment, l'argument des gens qui vendent ces produits-là, c'est oui, mais elle n'est pas poreuse. Mais elle protège tout le cerveau, ce qui est faux. Mais comment vous savez qu'elle n'est pas poreuse? Là, je m'intéresse en ce moment à des effets de l'électromagnétisme sur le corps humain. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous mettez ça, pas faire publicité, mais chaque fois que vous mettez un portable à l'oreille, vous avez votre barrière qui s'ouvre. Voilà. Combien de gens le savent? Qu'à chaque fois qu'on met un portable en fonctionnement auprès de l'oreille, la barrière hématocéphalique s'ouvre, devient poreuse. Donc imaginez la combinaison téléphone portable plus bite. Oui, bien sûr. Si vous n'aviez pas le téléphone portable, il n'y aurait aucun souci, parce que vous êtes jeune, en bonne santé. Mais même si vous êtes jeune, en bonne santé, si vous combinez le portable et le soda light, vous avez ces excitotoxines qui rentrent dans votre cerveau. Et en 2007, j'avais eu l'honneur de passer une heure et demie sur Skype avec le docteur Deagle, Will Deagle, qui m'avait vraiment dit et expliqué la même chose. Le plus on téléphone, le plus on fragilise cette barrière hématoencéphalique et plus d'excitotoxines rentrent dans le cerveau. Et je dis, mais vous rigolez quoi? Et on a passé une heure et demie à discuter de ça et d'autres sujets scandaleux sur la santé aux États-Unis. Et quand j'ai arrêté la conversation, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire quand on sait tout ça? Quand on sait la rapidité avec laquelle ces excitotoxines endommagent les neurones et pendant la durée de temps, parce que c'est une heure à 12 heures pour l'aspartame et des fois jusqu'à 48 heures pour le glutamate, et qu'on voit des enfants s'empiffrer de chips, des enfants s'empiffrer de bonbons gélifiés farcis d'arômes. Parce que le problème du glutamate monosodique, il faut que ça soit clair. L'aspartame, lui, se cache sous le mot aspartame avec E ou le code E951, comme vous pouvez le voir sur ces boîtes de médicaments pour bébés. Là, il y a tous les codes. Et puis, ou alors, aspartame sans E dans les médicaments. Donc là, on va dire, c'est facile de détecter la présence de cet édulcorant. Pour le glutamate monosodique qui se cache sous la famille des E600, dont E, souvent E621, etc., là, ça se complique parce que les industriels, dans les années 80, sous la pression des services des consommateurs et d'avocats aux États-Unis, ont dit, on retire le glutamate des aliments pour bébés. Et John O'Neill était dans ce combat. Il a vécu toute sa vie à se battre contre ça. Mais ils n'ont pas retiré le glutamate monosodique des aliments pour bébé, ils ont simplement modifié le nom. Et du coup, tous les 10 ans, selon le professeur Russell Belloc en conférence, ils ont augmenté les quantités de glutamate monosodique par 2 ou 3. Donc ça fait quand même depuis 1909. Hein? C'est, on rigole plus. Et ce glutamate monosodique dérègle le cerveau, provoque le diabète, l'obésité, etc. Et on ne dit rien. Mais ça va aussi atteindre les neurones de manière différente parce que ce n'est pas la même composition que l'aspartame. Et donc ça va être des maladies à longue échéance
qui vont être Parkinson, Alzheimer, arrêt cardiaque, obésité, etc. Selon si on fait du sport, la, les excitotoxines sont plus violentes. D'où le phénomène gravissime qui augmente chaque année, la mort subite de l'athlète. Oui. Depuis 25 ans. On a énormément d'exemples, effectivement. Il y a énormément d'exemples dans le foot, dans le basket, au karaté. Tout à fait. Et donc, on ne va pas dire que ça vient de ce que consomment ces sportifs. On va mettre des défibrillateurs partout. Et quand il est en panne, ben, le jeune, il meurt quand même, parce qu'il a fait un arrêt cardiaque en sautant pour attraper un ballon de basket. 23 ans. Le dernier, c'était il n'y a pas longtemps, un jeune footballeur. Il y a même des enfants qui souffrent de ces pathologies. Donc, on dira que c'est héréditaire, c'est pas de chance. Donc, voilà. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Hidalgo. Il y a 10 jours, je dis, à votre époque, est-ce qu'il y avait autant d'arrêt cardiaque chez les sportifs? Ah non, c'est vrai. Je dis, vous savez pas d'où ça vient? Non. Je dis, ben, ça vient de ce qu'ils consomment, ces sportifs. Non, vous plaisantez? Il me dit, il y a des preuves? Je dis, oui. Il dit, bon, mais écoutez, le plus simple, c'est prendre rendez-vous au ministère du sport pour leur expliquer. Parce que Blélo qui le dénonce, ça, depuis des années. Mais il y a pire, hein, parce qu'encore, les sportifs, on peut dire que eux, ils sont... Mais si vous imaginez que les pilotes d'avion... consomment ces produits-là, ils peuvent faire ce que font les sportifs pendant qu'ils pilotent. Ouais. Vous comprenez le problème? C'est un peu plus problématique. Encore. Et là, je veux dire, c'est encore plus grave que le sportif. C'est l'avion entier qui va s'écraser. Et on aimerait savoir, c'est un sujet que les compagnies aériennes n'aiment pas beaucoup développer, non. Combien de crashs aériens sont dus à une erreur de pilotage parce que le pilote était sous aspartame. Complètement. En train de bourrer de ces produits light. Parce que les pilotes, je ne sais pas si vous savez, ils ont cette caractéristique d'être toujours de bonne tenue. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font attention à leur ligne, et il y a tout un argumentaire publicitaire qui dit ne mangez pas de sucre, ça fait grossir, et donc ils se rabattent sur ces produits-là. Parce que c'est ça qui est un peu... Ouais, c'est pour ça va très loin. L'aspartame, il se cache derrière tous les produits allégés, c'est ça en gros. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle un édulcorant de synthèse. Tout à fait. C'est-à-dire que partout où vous ne voulez pas avoir de sucre, vous mettez ce produit-là, ou un dérivé, parce qu'il y a d'autres produits. Hein. Donc c'est encore pire, ça. Les gens consomment en fait ces produits en pensant... Maigrir. Et en fait, ils grossissent. Et c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Alors, phénomène intéressant scientifiquement parlant, parce qu'il faut arriver à se détacher de ces millions de victimes, parce que c'est vraiment émotionnellement lourd, c'est que je suis donc en relation avec Betty Martini, que je représente en France, qui a, elle, plus de 150 000 dossiers depuis 20 ans. On a des gens dans le monde entier, on a des bénévoles dans le monde entier, sauf que moi j'en fais peut-être un peu plus. Et donc du coup, je n'ai jamais vu en France ou en Europe quelqu'un en surpoids qui consomme des chewing-gums. Quand il prend que la forme chewing-gum, sans sucre bien sûr. Jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est plutôt du sous-poids, les cheveux qui tombent de plus en plus rapidement sur le dessus de la tête comme ça, alors que les boissons light, ça serait une chute uniforme. C'est jusqu'à l'anorexie, et c'est très bien expliqué dans ce livre de 1020 pages du docteur H.G. Roberts, que vous voyez dans le documentaire Faux sucre, vrai scandale, et pas dans un documentaire français malheureusement. Or, cet expert a étudié les effets d'aspartame sur ses patients pendant 25 ans en Floride, dans son institut de recherche et l'hôpital. Il était endocrinologue et diabétologue. Et le docteur H.G. Roberts nous a malheureusement quitté cette année en mois de février de problèmes cardiaques à 88 ans. Il ne fera jamais plus d'interview. Donc je vous recommande vivement de l'écouter dans ce documentaire en français « Faux sucre, vrai scandale » parce qu'il ne parlera plus jamais. Or, il a donné toutes ses références et toutes ses recherches des caisses entières à Betty Martini parce que ce livre qui a été édité dans les années 2000-2002, après 25 ans de recherche sur des humains, des êtres humains comme vous et moi, eh ben, il n'a jamais été traduit en français. Et il est dédié aux bénévoles de l'association. Or, si on le prend, il y a plus de 1300 cas de personnes numérotées avec toutes ces pathologies, ça va de la maladie du sang, aux leucémies, aux AVC, aux tumeurs cérébrales, aux crises de rage au volant. On parle de crise de rage en conduisant à cause de l'aspartame, des gens qui s'endorment au volant. Donc on dit pas de téléphone portable et fumez pas, etc. au volant, ne buvez pas ou rentrez avec quelqu'un d'autre si vous avez bu. Mais on n'explique pas que dans l'aspartame, il y a 10% de méthanol, qui est pire que l'alcool, parce qu'il se dégrade après 30 minutes après ingestion en formaldéhyde dans le corps humain. Et en acide formique, ça on ne le dit pas. Et dans ce livre donc, qui fait 1020 pages, qui s'appellerait en français « La maladie de l'aspartame, une épidémie ignorée », je répète, une épidémie ignorée, eh bien on explique à la page 790 le rôle de l'aspartame dans les accidents d'avion et les risques d'accidents d'avion avec les pilotes et les contrôleurs aériens.
Il y a plein de textes là-dessus. Donc, sur mon site santéendanger.net, j'ai osé reprendre certaines parties de ce livre pour mettre un dossier qui s'appelle « Mâcher ou conduire, il faut choisir ». Parce que moi, personnellement, je ne prends pas l'avion pour d'autres raisons, entre autres. Mais quand je prends un taxi ou un autocar ou un TGV, j'ai pas envie non plus que celui qui tracte 900 personnes dans deux TGV côte à côte et qui est tout seul à diriger ces 900 personnes, il soit en train de mâcher. Bon, on est sur le sol, d'accord, mais bon. Et le chauffeur de taxi qui mâche parce qu'il ne peut pas fumer dans son taxi, s'il me fait un AVC ou il s'endort au volant, je pars avec lui dans le décor. Il y en a eu plein, plein, plein. Les premiers morts aux États-Unis au volant à cause de l'aspartame, c'est 1986, à 23 ans. Ils sont endormis au volant. Et on ne dit rien. Et c'est ce silence et c'est ce mutisme des autorités sanitaires, comme le ministère de la Santé ou autre, qui commence à m'exaspérer. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui s'en sortent, heureusement. Hein, des gens qui ont la volonté, encore un peu d'espoir de s'en sortir et d'arrêter d'en consommer. Des gens qui ne peuvent plus s'arrêter d'en consommer et qui en meurent. Et le professeur Alemany à Barcelone, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2006, donc ce professeur a participé à la célèbre étude de Trochow Study. Le docteur Trochow à Barcelone, en 1998, avait dirigé une étude sur l'aspartame avec sept scientifiques. Ça, on ne l'a pas dit. On ne va pas le dire. Non, et le professeur Alemany, avec qui je suis encore en relation aujourd'hui, nous avait dit à Betty Martini et moi-même en novembre 2006 qu'il estimait qu'il y avait probablement plus de 200 millions de morts à cause de l'aspartame dans le monde. Et il est encore vivant, ce professeur. Il a eu des pressions, on l'a interdit d'étudier à nouveau l'aspartame, etc. Il a des menaces, etc. Et sa belle-fille boit, j'y ai parlé la semaine dernière, sa belle-fille boit elle-même des soda light et en donne peut-être à ses petits-enfants. Et il n'arrive pas à la convaincre. On ne peut pas convaincre sa famille. Hein. On en a parlé déjà et déjà. Et on a beaucoup de mal. Mais justement, Marcella, on pourrait faire une transition, puisque vous êtes donc une victime de l'aspartame. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes rendu compte que c'était l'aspartame qui vous a provoqué donc des problèmes de santé, hein, c'est bien ça? Oui, mais j'ai mis du temps à comprendre. Beaucoup, beaucoup de temps, et beaucoup de maladies. Ça a été très long. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer Corinne Gouget et son miraculeux livre qui m'a sorti de là. Parce que bon, j'y pliche toutes les étiquettes. Mais bon, la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est en 2007. J'ai eu des calculs et j'ai eu la vésicule biliaire qui a éclaté et je me suis retrouvée à la frontière du coma. Et on m'a opéré d'urgence et j'ai pas compris ce qui m'arrivait, quoi. Et après, bon, on m'a vaguement parlé que c'était alimentaire. Donc, ça n'a jamais précisé, ciblé l'aspartame. C'est vous qui avez compris par vous-même. Non, mais c'est grâce à Corinne. Mais grâce au livre de Corinne. Voilà. Et, c'est un ami qui lui a parlé de mon livre, en fait. Voilà. Après, qui m'a parlé. Donc, j'ai regardé ce que c'était l'aspartame. Parce que, bon, on commence à voir Internet, hein, je pense. Et j'ai fait des recherches par moi-même. Et je me suis aperçue que l'aspartame provoquait beaucoup d'effets secondaires. Et quand j'ai fait le questionnaire... En fait, dans ce livre, vers la page 500 et quelques, il y a 9 pages de questionnaire du docteur Roberts, que j'ai osé mettre sur mon site en 2010, ne tenant plus. Et donc, j'ai plus de 150 dossiers comme ça, qui ont aussi été utilisés en 2008 par l'EFSA, pour un travail de recensement de 3 semaines, et ça a été enterré au fond d'un tiroir. Et donc, Marcella a pris connaissance des méfaits de l'aspartame progressivement, et elle était choquée parce que ça faisait des années que tu en prenais. Voilà, moi j'ai commencé dès que c'est apparu dans les années 80. Je veux dire, vous consommez quel genre de produits pour comprendre 83. Des sodas, des sponsors. Soda, coca, je sais pas, les potes. Sucrète aussi. Sucrète, chewing-gum, bonbons, enfin. Yaourt aussi. Médicaments. Médicaments. Oui. Yaourt aussi, non? Yaourt, tout ce qui était light, je consommais parce que je voulais, après la naissance de mon fils, je voulais rester mince. Donc je suis tombée dans le cercle vicieux. Mais ce qui est complètement aberrant, c'est qu'en prenant du light, je n'ai jamais maigri. C'est franchement, depuis que j'ai arrêté l'aspartame, que j'ai enfin réussi à maigrir. Tu as perdu combien de poids là? Bah là, j'ai perdu 10 kilos.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc fait le rapprochement entre les symptômes qui sont décrits dans le livre. Voilà. Vous êtes dit, voilà, vous êtes dit, donc je suis atteint de ces symptômes-là. C'est voilà. Tu en avais combien de symptômes de la liste? 49. Ah. 49. Ah oui, mais il y a plusieurs pages là. Des migraines, des changements de caractère, des crises d'hystérie. J'étais un peu un caractère bipolaire aussi, changer d'humeur. Surpoids. J'avais du surpoids. Pas tellement, hein, pas une obésité morbide. Hein, j'avais quoi au fil des années, j'avais pris 17 kilos quand même. Hein, puis j'arrivais pas à les perdre, c'était stationnaire. Que je fasse n'importe quoi, je maigrissais ni ne grossissais. Quoi. Donc je comprenais pas mon problème. Et je consommais du light, du sirop light quand j'étais malade, enfin que des trucs, je demandais toujours du light. Et du light, c'est toujours aspartame. Donc, oui, parce que le light, c'est forcément aspartame en gros. Alors le souci aujourd'hui, de nos jours, c'est qu'on a des boissons de moins en moins chères. Et là, il faut que les gens le sachent, c'est les enfants. Il y a beaucoup d'enfants à qui on confie 3 à 5 euros le mercredi pour aller faire deux petites courses à la petite boutique du coin. On se retrouve aujourd'hui avec des bouteilles, boissons goût tropical, par exemple. Là, il n'y a pas marqué light, hein. Il y a un tout petit marqué aux édulcorants. Et sur le côté, c'est de l'eau, du sucre, des acides, des arômes, des colorants. Là, c'est Sulfamca et l'aspartame. Mais l'enfant, il n'a pas de notion de ça. C'est moins cher, c'est 20, 30, 40 centimes la bouteille d'un litre et demi. Et on se retrouve dans la limonade light ou limonade aux édulcorants premier prix, tenez-vous bien, qui sont aujourd'hui moins chers qu'une bouteille d'eau. Donc l'enfant, pour pouvoir s'acheter le gros paquet de bonbons de 800 grammes qu'il a vu de l'autre côté du rayon, il va s'acheter la limonade la moins chère ou le soda light premier prix, moins 4 fois moins cher que la grande marque. Vous les connaissez tous. Donc dans l'après-midi, mais j'en vois beaucoup, mais des fois des petits, hein, 10 ans, 15 ans, 17 ans, ils vont boire entre copains un litre et demi de cette boisson à l'aspartame, que ce soit un jus de fruits tropical ou à goût orange ou une limonade ou un soda, et il va s'enfiler 800 grammes de bonbons gélifiés. Les deux mélangés, mais c'est Hiroshima dans le cerveau. Mais c'est-à-dire que là, on a tous, on sait... récemment constaté qu'il y a une augmentation de la violence chez les enfants. De voilà, on y est. Est-ce qu'on peut corréler la consommation d'aspartame et cette violence juvénile? Complètement. Et en fait, dans le film Faux sucre et scandale, vous aurez la chance d'écouter un expert qui est toujours vivant, qui s'appelle le professeur Ralph Walton, qui est toujours professeur en psychiatrie à New York aujourd'hui, et qui s'est penché sur le problème de l'aspartame dès 1985. Je répète, 1985, vous voyez, il le dit dans le film. Donc on lui avait promis qu'on pourrait lui fournir de l'aspartame pur, chose qui est très difficile à obtenir, pour faire des tests. On ne lui a pas donné au début. Il s'est battu, il l'a eu. Il en a donné à une patiente. Tout ça, c'est parti du cas d'une patiente dans son hôpital en 85. Donc 2 ans après la mise sur le marché de l'aspartame dans les sodas et 3 ans après la mise sur le marché dans les produits secs. Et cette femme n'avait pas d'attaque cérébrale violente ou de saut d'humeur violent. Elle était sous traitement pour d'autres pathologies, mais là, elle avait des crises cérébrales très importantes. Il se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas changé le traitement? Et il a découvert qu'en voulant maigrir, elle aussi s'était mise à consommer des Nutrasuite aux États-Unis et qui s'avait aggravé ses pathologies psychiatriques. Donc il en a donné pur, dans des boissons, à un médecin, une infirmière et une autre patiente. Le médecin a instantanément perdu un œil, parce que ça fait un écoulement de sang dans l'œil, il a tout arrêté. L'infirmière a eu un problème aussi à l'œil, parce que là c'était vu pur. Et la patiente n'a pas eu de problème aux yeux, mais d'autres problèmes. Donc il a arrêté tout de suite son expérience. Et il le dit très bien dans le film Faux sucre et scandale. Et donc du coup, de là, il a commencé à s'inquiéter et à faire des recherches. Et pendant ce temps, il y a eu d'autres études camouflées, etc. Et pourquoi il s'intéresse à ça? Parce qu'il a vu que ça pouvait provoquer ou aggraver des troubles psychiatriques. En France aujourd'hui, je ne vais pas dire les noms, je connais les noms des cliniques, on encourage non seulement les jeunes en psychiatrie, les adolescents, à consommer des sucrètes au petit déjeuner dans leur thé et leur café, et on les laisse mâcher des chewing-gums à l'hôpital psychiatrique, je vous garantis. Pour ce qui est des adolescents en surpoids, on n'en a jamais autant eu, on est d'accord? Oui. Moi j'ai 47 ans, et je dis toujours aux élèves dans les collèges ou les lycées, à votre âge, à 15-16 ans, j'étais dans un lycée de 900 élèves dans le sud de la France, je n'avais pas un ami en surpoids comme ça, en obésité morbide. Il n'y avait pas une copine avec l'épilepsie, pas de diabète chez mes copines non plus. Il n'y avait pas de suicide, il n'y avait pas de prof qui se suicidait dans la cour en s'immolant par le feu comme il y a quelques années en France. Il n'y avait pas de petits enfants qui sautaient du 5e étage parce qu'ils n'ont pas droit aux bonbons et qu'elle était diabétique, cette petite fille. Enfin, c'est une catastrophe.
ça n'existait pas. On entendait un peu parler de cancer, mais c'était les personnes âgées. Ma grand-mère était morte d'un cancer. Alzheimer, Parkinson, à 20 ans, il n'y en avait pas. Ouais. On n'avait pas 64 000 enfants épileptiques en France non plus. On n'avait pas 100 000 enfants autistes. Donc c'est un mélange de tout. Je ne dis pas que c'est que la nourriture. On est d'accord. Il y a des experts aux États-Unis qui disent l'autisme, c'est le vaccin. D'autres, comme le professeur Woodremonté, lui, l'autisme, c'est l'aspartame pendant la grossesse. Et là, il y a toutes les sources scientifiques, il y a toutes les preuves, les tableaux. C'est un livre de l'année dernière qui s'appellerait en français « Pendant que la science dort, un édulcorant tue ». Et pourquoi Woodremonté s'est intéressé aux maladies modernes comme la sclérose en plaques ? Parce qu'il s'est penché sur le problème du méthanol dans les années 85. Donc, il est passé à la télévision. Vous êtes prêts ? Et ça, je l'ai montré au ministère de la Santé en France en 2012. Ils n'ont rien fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il est passé à la télé ? Il y a une femme qui venait d'accoucher d'une petite fille complètement avec une tête déformée et qui est morte le jour de sa naissance, qui se serait appelée Joy, qui a vu le professeur monter à la télé et qui s'est dit « Oh, mon bébé est mort parce que je buvais 2 litres de soda light par jour pendant ma grossesse. » Elle a pris rendez-vous d'urgence avec le professeur Woodremonté, donc en 84-85. Elle était en pleurs, elle avait une bouteille vide de soda light à la main et une enveloppe jaune avec la photo de Joy, qui est morte le jour de sa naissance après un malaise, mais heureusement. Parce que quand vous voyez ce qu'a fait le méthanol de l'aspartame au crâne de Joy, ça calme. Mais ça a été caché, la maman n'a pas porté plainte. Et Woodremonté a commencé à faire des recherches sur le rôle du méthanol dans l'aspartame, qui est la source la plus dangereuse au monde, et a vu ce que ça faisait sur des rats. Il en a donné à des rats, il n'allait pas en donner à une autre femme enceinte. Voilà, les photos des cerveaux, des rats, des études du professeur Monté. Donc bien sûr, on a essayé de le faire taire, bien sûr, on lui a fait des misères, essayer d'incendier sa maison, par exemple, etc. Mais il a continué, il est toujours vivant, et il a sorti ce livre l'année dernière, après un DVD sur la sclérose en plaques, pour expliquer d'où vient cette maladie. Mais l'aspartame est la source de méthanol la plus dangereuse au monde. Et alors, du coup, il a rajouté les tableaux avec le taux de suicide qui augmente, le taux de violence, les pathologies d'empoisonnement au méthanol, le trouble du comportement, etc., etc. Les problèmes de vue, bien sûr, à cause du méthanol, les crises de folie, les crises de rage, les crises de démence, le diabète, les problèmes de cancer, Alzheimer, bien sûr. Ça y va. Hein. C'est-à-dire que non seulement donc, l'aspartame donc, atteint le physique, mais également le mental. Mais complètement. C'est ça qui ça, vous le confirmez, professeur, aussi. Oui, parce que en chimie, on sait très bien que le méthanol, c'est très toxique. Il n'y a pas besoin d'études toxicité sur le méthanol. Elles datent depuis qu'on a étudié le méthanol. Vous savez, ça s'appelle l'alcool de bois. L'alcool de bois. Oui, c'est-à-dire, c'est ce que vous faisiez quand vous prenez du bois et que vous distillez, vous sortez du méthanol. D'accord. Et donc, le problème au méthanol est connu depuis très longtemps parce que c'est tout le problème des alcools frelatés. C'est-à-dire les gens qui distillent eux-mêmes et qui font mal l'opération, donc ils laissent passer du méthanol avec l'éthanol. Et donc, c'était des boissons trafiquées, ça a été le scandale de l'absinthe dans le Midi au 19e siècle. Donc, la toxicité du méthanol, ça fait 150 ans qu'on la connaît. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on retrouve effectivement, il y a une partie de la molécule d'aspartame qui contient non pas du méthanol, mais ce qu'on appelle un groupement méthoxy, mais qui, à une température de 30-40 degrés, se casse pour donner du méthanol. Et c'est ou lorsque le produit vieillit dans des conditions mal contrôlées. Donc prenez par exemple une canette où vous avez l'aspartame, laissez-la au soleil. Si la température monte à 40-45 degrés, vous créez du méthanol dans la boisson. Parce que ce méthanol a été sous forme de résidus méthoxy dans la molécule de l'aspartame. Ouais. C'est un produit de décomposition qui apparaît. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle cette molécule, moi, je ne comprends pas pourquoi elle est dans le commerce. Parce que toute molécule qui est susceptible de libérer du méthanol doit être traitée avec précaution. Parce que c'est vraiment un produit très toxique. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ont rajouté un deuxième résidu qui est l'acide aspartique. Mais l'acide aspartique, c'est de là que vient d'ailleurs le mot aspartame. C'est la même racine. Et cet acide aspartique, c'est un neurotransmetteur dans votre cerveau. Et donc, quand vous avez cet acide aspartique, c'est-à-dire cet aspartame qui se décompose, qui donne du méthanol et de l'acide aspartique, vous avez un acide aspartique qui est un neuroexcitateur. Voilà. C'est-à-dire que votre neurone s'excite,
Et chaque fois qu'il s'excite, il fait rentrer du calcium, et quand il y a trop de calcium, bien le neurone meurt. Il explose. C'est-à-dire que vous... Ça s'appelle une excitotoxine. Voilà, d'accord. Alors, ça, c'est au bout de 2 heures. L'acide aspartique le fait, le glutamate le fait aussi. Oui. Mais le glutamate, on ne le trouve pas dans l'aspartame. Lui, on le trouve dans tous les exhausteurs de goût. Donc ça, je peux vous en dire un mot. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des produits bas de gamme, pas chers. Oui. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend des bas morceaux de produits qui sont complètement invendables. Et en fait, on a vu très récemment cette appellation, ce qu'on appelle du minerai de viande. Oui, les minerais de viande, voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va transformer des bas morceaux en quelque chose, par des traitements chimiques, qui va pouvoir ensuite être remis en forme. C'est tous les produits reconstitués. Mais le problème, c'est que ça n'a plus de goût. Et comme ça n'a plus de goût, les gens n'achèteraient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met du glutamate. Pour donner le goût de viande. Des fois jusqu'à 6 fois dans le même produit. Parce que ça donne le goût de viande, c'est-à-dire qu'on redonne à une viande qui aurait été normalement complètement invendable, on redonne du goût. Et puis on a d'autres additifs pour donner de la sapidité, pour donner de la fluidité. Là on est dans le domaine des additifs, c'est les industriels sont vraiment très experts là-dedans, parce que maintenant les gens ne veulent plus mâcher. Il faut que le produit, dès qu'on le met dans la bouche, coule, qu'on ait une sensation des saveurs, des... Et tout ça, c'est fait avec des édulcorants et des produits de synthèse. Et c'est ça qui est... On se demande comment se fait-il que, voilà, c'est depuis le temps, en plus, qu'il y a quand même des salaires qui sont donnés aux États-Unis, on sait que c'est un grand débat. Bon, c'est vrai qu'en France, c'est peut-être le débat n'avance pas assez. Non. Il y a quoi? Il y a des freins politiques? Comment ça se fait que... Puisqu'on voilà, on voit... Non, c'est de l'inertie. C'est-à-dire que c'est même pas des freins politiques, je pense, c'est que les gens sont inertes. C'est-à-dire, je parle ici des pouvoirs publics, hein, oui. Puisque Corinne a envoyé des lettres, elle est allée voir les responsables. Moi, j'ai fait des lettres signées de ma main, avec papier en tête, pour dire, écoutez ce que dit Corinne Gouget, on n'a aucune réponse. Rien. Ça ne bouge pas. C'est de l'inertie. Vous savez, quand vous voulez, le meilleur moyen pour tuer un produit, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire de traiter ça par l'indifférence. Il y a quand même des intérêts économiques énormes. Énormes, mais on le sait très bien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de faire des actions, Corey Brockett a fait son film, Betty Martin n'arrête pas, elle a plus de 80 ans, elle voyage, elle fait des conférences de partout, des émissions de radio, des émissions de télé aux États-Unis. Le docteur Bielog fait encore des conférences, des interventions même par Skype, etc. Professeur Ralph Walton, des fois je l'appelle, je lui dis, bon, là j'ai un cas, agoraphobie, sodalite, il me dit, oui, ça doit être l'association aspartame caféine qui provoque cette agoraphobie, les crises d'agoraphobie, même à 11 ans, c'est impressionnant. Ça donne des gens qui ne vont plus au cinéma, qui ne prennent pas le bus pour aller au collège, qui ont peur, qui ne vont plus en cours, qui ne vont même plus acheter des vêtements, qui ne peuvent pas faire leurs courses au supermarché. J'ai eu des papas qui buvaient 2,5 litres par jour de soda light, qui étaient agoraphobes. Moi, j'ai vécu 10 ans avec quelqu'un dans ma famille, et qui est encore vivant, donc je ne peux pas dire son nom. Et donc, du coup, on se dit, mais j'ai épousé un monstre, ou qu'est-ce qui se passe? Ma fille a 11 ans, elle devient agoraphobe, pourquoi? Mais cet enfant, elle s'est nourrie à ça depuis l'âge de 2 ans, et puis, parce que, voilà, elle est allergique à différents trucs, et on lui donne ça. Et donc, du coup, il y a cette pathologie, mais jamais d'agoraphobie au chewing-gum. C'est quand même extraordinaire. Donc, quand j'ai des doutes sur les troubles du comportement, je n'hésite pas à contacter Ralph Walton à New York. J'ai eu des gens, sous l'effet de cette boisson, qui avaient des pulsions criminelles. Hein. Et il y a un fort lien. Et le fort lien, on en parle de ce lien entre l'alimentation et le comportement. Il y a un très bon discours du docteur Bielog, encore lui, vous allez me dire, qui s'appelle Nutrition and Behavior, sur YouTube maintenant, qui n'est toujours pas en français, mais on s'y attaque. Et là, on tombe des nues. C'est extraordinaire ce qu'il raconte dans cette conférence de 2004-2005. Et aujourd'hui, on a un très bon DVD. Si vous allez sur YouTube, et vous tapez « enfant » au pluriel, « tube à essai sur pâte ». Ça dure 5 minutes. C'est quoi 5 minutes dans une vie? C'est rien. C'est Sudan Gate qu'on voit ici sur son DVD, qui fait des ateliers dans les écoles primaires en Australie depuis 21 ans, même les collèges et les lycées, qui apprend aux enfants à lire les étiquettes. Pas la partie taux de lipides, protéines, glucides, hein, la partie ingrédients. D'accord. Donc les enfants, ils ont 7-8 ans hein, dans la vidéo, ils reçoivent une liste d'additifs à éviter, non seulement à la cantine, mais aussi à la maison. 2 semaines sans additifs, c'est rien. Tout, les enfants de l'école vont mieux. Au niveau pipi au lit, sommeil, comportement, agressivité, ils témoignent, j'ai plus d'amis, je suis moins méchante et compagnie. 2 semaines sans additifs, ça n'a jamais été filmé en France. Or, dans le discours du docteur Bielog, il explique que là-bas, on en parle aux États-Unis,
du lien entre alimentation et comportement. Il n'y a pas que les additifs, hein. Il y a aussi le gluten, il y a aussi certaines les drogues, le sucre, etc. Et ben, on en parle depuis 1910 à peu près. Et en France, on n'a jamais commencé une étude là-dessus. On se retrouve aujourd'hui avec des marches qui vont être mises en place en région parisienne mercredi contre la violence. C'est-à-dire que les ados qui ont mangé ces tonnes d'excitotoxines, des fois in utero pendant la grossesse de leur propre maman, naissent avec un cerveau déréglé, c'est très bien expliqué encore dans ce livre, et accro déjà à des différentes choses, et déjà avec des problèmes de comportement, de développement. Ça va très loin. Et donc l'enfant, arrivé à 12 ans, il va être accro à l'alcool, à la drogue, à la machin, un truc, et il devient complètement paranoïaque, ça rend paranoïaque aussi cet aspartame-là. Et au moindre regard de travers, on va aller poignarder, etc. J'ai fait un atelier, quand je devais faire une conférence dans un lycée, un collège en décembre 2011. J'arrive, plus d'élèves, trop de violence dans le collège, droit de retrait des professeurs, qui protestent et qui veulent plus de survie dans la cour. On me dit, ben va voir les profs. Je vais voir la prof d'espagnol, qui me dit, ah là là, les élèves, ils mangent des chips, 12 ans, hein, en 6e, hein, dans la cour, à 10h, des chips, du supermarché pas cher d'à côté, on ne dira pas la marque. Et à 10h30, en cours d'espagnol, ils s'attaquent à coups de compas et de cutter. Fait quoi? Ça n'existait pas quand j'avais 12 ans. Et le lendemain, ils reviennent avec des couteaux de la cuisine de chez maman pour s'attaquer. La propre. Elle craque. Je lui dis, mais attendez, ça vient de la nourriture, c'est les chips. Vous rigolez. Donc du coup, il y avait 30 profs, je leur ai expliqué ce que j'avais. Les profs d'anglais, ils couraient partout, faisaient des photocopies. Et par-ci et par-là, bon, celui-là, je l'avais pas, mais ils ont fait des photocopies de ce livre de 1020 pages et compagnie. Ils étaient, waouh. Mais on n'a pas fait d'informations là-dessus en France, on n'a même pas fait un documentaire là-dessus, ce que je voudrais faire. Donc, Sudangate a sorti cette année ce DVD qui s'appelle Fed Up with Children's Behavior, How Food and Additives Affect Behavior, ce qui veut dire en français, il y en a marre du comportement de l'enfant, comment la nourriture et les additifs affectent le comportement. Il fait 72 minutes. Et si je vous dis que dans ce DVD, on va filmer des enfants criminels, dans les années 90 en Angleterre, il y en a 8 enfants criminels de 8 à 12 ans, des enfants criminels. Et on leur fait changer d'alimentation pendant 3 semaines avec un policier et un médecin pour les suivre. Des enfants criminels. En Angleterre, c'est pas loin. En 3 semaines, tous les enfants sont métamorphosés. Et en France, on dit rien. On a des enfants qui se suicident à 8 ans dans leur chambre. Ou dans le couloir de l'école parce qu'ils sont punis. On a des profs qui en peuvent plus, qui partent en congé pour dépression en vacances scolaires. Là, on voit les enfants qui s'agressent entre eux. Hein. Alors après, il y a un comique qui est plus ou moins apprécié de tous, qui s'appelle Dieudonné. Vous allez sur YouTube, vous tapez l'institutrice, on y est. Bon, il exagère un peu, c'est sûr, mais on y est. Sur la violence des élèves entre eux, sur les profs, etc. Et aux États-Unis, il y a eu toute une expérience, c'était 2005, non, de Wisconsin College. Dans le Wisconsin, ils ont pris de Appleton College. Le collège, il y avait plus de violences, de suicides, de jeunes qui venaient avec des armes à feu, des couteaux, etc. Et ils ont fait tout un programme qui a coûté un peu plus cher que d'habitude pour changer l'alimentation de tous les élèves du collège. Appleton College. Et ça, c'est très bien expliqué par Jeffrey Smith aux États-Unis, dans un DVD aussi, sur l'alimentation des enfants. Tous les élèves du collège allaient mieux. Il n'y avait plus de suicides, plus de violence, plus de discipline à faire. Et ça a été le collège du miracle aux États-Unis. Et ça a été multiplié dans d'autres collèges. Mais on n'en parle pas en France. Donc c'est complètement dramatique. On marche sur la tête. En plus, on pourrait mettre en place ce genre d'expérience. Mais bien sûr, mais je veux le faire. C'est pas très compliqué. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe parce que bon, en France, on sait aussi qu'on est dépendant des autorités européennes, voilà. Avec l'ENFSA, l'EFSA, qui est l'agence européenne, on va dire l'équivalent de la Food and Drug Administration, voilà. Américaine, un petit peu, on peut dire. Et mais, donc ça veut dire, en fait, quelque part, on ne maîtrise pas vraiment, alors encore non. Moins, parce que l'Union européenne, on sait que c'est assez opaque, quand même. Tout à fait. Et si vous voyez encore un autre documentaire qui est sorti, il me semble, en 2011, de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, c'est trois parties, pesticides, aspartame, dont je l'ai aidé, et plastique. On voit bien le problème des portes tournantes et de la corruption et des conflits d'intérêts au sein de ces mêmes autorités. Mais il n'y a rien qui change. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'EFSA doit rendre sa décision finale fin novembre sur l'aspartame. Mais si c'est encore pro-industrie, ça ne va pas le faire. Ça veut dire qu'elle pourrait prendre une décision d'interdire l'aspartame en Europe si elle fait son travail. Mais seulement le souci... C'est-à-dire que si on prend la somme de tout ce qui est l'étude scientifique, et si on enlève des études scientifiques, toutes celles qui sont financées
par l'industrie, par des laboratoires qui vendent, enfin des industriels qui vendent les produits et qui payent pour que les résultats soient pour moi, qu'il n'y ait pas de problème. Ben oui, les preuves sont accablantes, donc on devrait interdire ce produit-là, c'est évident. Parce qu'on a toutes les preuves. On a toutes les preuves, sauf qu'en 2009, personne ne l'a su, en Angleterre, ils pensaient mettre en place une étude sur des humains, avec des barres de céréales à l'aspartame. Ça s'appelait The Hull Study. Et moi, j'ai essayé de faire empêcher cette étude, et j'étais convoquée à Londres, avec des amis, un médecin, d'autres bénévoles de l'association et une victime aussi, en octobre 2009, pendant 3 heures de réunion à la FSA à Londres. Et vous figurez-vous, quand je suis arrivée, bon, le médecin il avait pris ce livre aussi, etc., ils ont reconnu qu'ils n'avaient pas assez d'informations sur la dégradation du méthanol dans l'organisme, dans l'aspartame. Donc on leur a tout donné, on avait les photocopies. Il y avait un médecin qui avait ce livre avec lui, parce que moi je ne peux pas prendre ça avec moi en Angleterre. Betty Martini s'était fait arrêter 6 heures à la douane en 2002 avec ce livre dans son sac. Parce qu'il ne voulait pas les laisser rentrer en Angleterre avec ça. À ce point-là, mais je vous jure, et elle a réussi à passer parce que le chef de la douane était diabétique et qu'elle lui a sauvé la vie en lui parlant d'aspartame. Mais c'était en 2002, je vous jure, c'est vrai. Et moi, quand j'ai acheté ce livre, mais je n'ai pu l'acheter que sur Internet, aux États-Unis. Vous ne le trouvez pas en vente sur Amazon ou sur... Ah ouais. Alors je sais pas maintenant s'il est en vente. On est 3 à l'avoir en France. Mais une volonté de moi, j'ai dû le commander directement aux États-Unis pour l'avoir. Il y a un prof d'allemand qui l'a. Professeur Henri et moi. C'est... Ça ne sera pas traduit en français. Ça. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, qu'on me ramène un livre qu'on ne pourrait pas se procurer ailleurs, c'est quand même incroyable. Mais on est au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il se passait quoi? Les gens importants avaient des goûteurs, d'accord? Ouais. Et les goûteurs étaient là pour tester les plats qu'on apportait au roi ou à la personne importante. Et si le goûteur mourait sur le champ, on en prenait un autre, c'est pas grave. Au moins, on n'empoisonnait pas la personne importante. Aujourd'hui, les goûteurs, c'est les consommateurs. Surtout en France, où il y a plus de désinformation qu'ailleurs. Et donc les goûteurs sont devenus les rats de laboratoire. Si je vous montre cette photo, je suis désolée, ça va pas plaire à certains, mais la photo est là. C'est l'histoire avec les petits rats. Si on donne du glutamate à nos sosies, on prend 2 rats. À la naissance, il y en a un qu'on nourrit de glutamate quotidiennement et l'autre pas. Et là, sur cette photo, les rats, ils ont 9 mois. Ok, devinez celui qui a pris le glutamate, ok? Celui qui est gros. Le glutamate provoque l'obésité et John Olney avait dit il y a plus de 40 ans, si on augmente ainsi les quantités de glutamate monosodique dans la nourriture industrielle, nous assisterons à une épidémie mondiale de diabète et d'obésité. On y est. C'est ça les fameuses... Parce que l'obésité, c'est un mal effectivement mondial, mais on n'arrive pas à faire de lien. Alors, puisqu'on nous dit, on consomme des produits différents selon les pays, mais finalement, il y a quand même un lien. Alors en France, je ne vais pas te dire les noms parce que c'est pas le sujet, il y a des associations d'obésité. Il faut faire un petit peu attention. Dans la notion de lien qu'on peut faire dans les maladies, c'est pour ça que les pouvoirs publics sont toujours très prudents. C'est que, en science, vous avez ce qu'on appelle la corrélation. C'est-à-dire que vous observez une chose, vous observez une autre chose et vous voyez que les choses sont liées. Mais cette corrélation n'est pas une causalité. Pour avoir ce qu'on appelle le lien de causalité, c'est-à-dire affirmer que telle chose provoque telle chose, là il faut des études en laboratoire, très poussées, qui coûtent très cher. Mais donc les gens en général s'arrêtent aux corrélations, parce que ça c'est beaucoup plus facile, on porte X, Y, et puis on voit si les points s'alignent. Et pour bien vous illustrer la différence entre une corrélation et une causalité, j'ai l'habitude, moi, de prendre un exemple pour que les gens comprennent. C'est qu'on peut faire une étude, par exemple, si vous vous couchez le soir avec les chaussures aux pieds, le matin, vous avez mal à la tête. Et quand on fait la corrélation, c'est net. C'est-à-dire, tous les gens qui se couchent avec leurs chaussures aux pieds dans leur lit ont, le lendemain, un mal de tête. Et on a une belle droite. Mais est-ce que ça veut dire que porter les chaussures vous donne le mal de tête? Bien sûr que non. C'est pas de mettre ses chaussures qui donne mal à la tête. Par contre, le fait, pourquoi les gens se couchent avec leurs chaussures? C'est parce que le soir, ils rentrent bourrés et qu'ils arrêtent, qu'ils se couchent, ils tombent sur leur lit, ils n'enlèvent pas leurs chaussures. Mais comme ils ont bu trop d'alcool, ils ont mal à la tête le lendemain. Ah donc, l'agent de causalité, c'est l'alcool, c'est pas les chaussures. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans toutes ces corrélations, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sûr, avant de dire un produit est toxique, il faut qu'on soit sûr que ce soit une causalité et pas une corrélation. C'est ce qui explique que les pouvoirs publics prennent d'énormes précautions
Parce qu'ils ont toujours peur que ce soit des corrélations. Et si vous déclarez que tel produit est mauvais parce qu'il y a une corrélation, vous pouvez être complètement dans l'erreur. De la même façon que quand vous dites que vous avez vos chaussures, vous avez mal à la tête, vous pouvez interdire les chaussures. Mais le problème, ce n'est pas les chaussures, c'est l'alcool qu'il faut interdire. Et c'est pour ça que tous ces pouvoirs publics sont très inertes. Parce qu'ils sont terrorisés par... Eux, ils veulent des preuves de causalité. Et ça, ça coûte très cher. On peut les avoir. Mais il se trouve que sur l'aspartame, il y a des études en laboratoire. Là, les preuves de causalité existent. On n'est plus sur des corrélations. Et c'est ça qui là devient incompréhensible, c'est que sachant que maintenant on a des preuves de causalité. Et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Depuis des années. Là, on ne peut plus. C'est pour ça, j'espère que l'EFSA va interdire ce produit. Mais de toute façon, il ne faut pas faire d'illusions. Si ce produit est interdit, ils ont déjà préparé la riposte. Il y en a déjà d'autres qui sont déjà prêts. Est-ce qu'il suffit de changer donc une molécule pour pouvoir avoir un vous rajoutez, vous changez, vous mettez un groupement méthyl et c'est bon, c'est un autre produit, vous échappez à la règle. Il faut refaire toute une étude. Ah oui, non mais ça c'est presque le labyrinthe. Non, il faut connaître ces systèmes européens, ces systèmes de grandes. Être décideur, c'est une lourde responsabilité d'interdire un produit. Bon. Là, sur l'aspartame, moi je dis il faut le faire. Ou sur le glutamate, c'est une évidence. Maintenant, après, on peut avoir des lobbies, c'est-à-dire des gens qui vont faire interdire un produit alors que ce produit est parfaitement inoffensif. Vous voyez, l'homme politique, il est soumis à ces pressions-là, quelle décision il doit prendre? Oui, mais on ne voit pas d'homme politique qui pèse 300 kilos. On ne voit pas d'homme politique qui font un AVC après un repas ou après un chewing-gum. On ne voit pas d'homme politique qui font une crise d'épilepsie en plein discours. Donc on va avoir 64 000 enfants épileptiques en classe maternelle, primaire, avec des profs qui savent plus quoi faire avec tous ces enfants malades, mais on va rien dire, ni aux parents, ni aux médecins qui suivent ces parents. Moi j'essaie d'informer les médecins, mais le message... Parce qu'on pourrait au moins en plus, même ne serait-ce que pour les industriels, avoir un compromis, c'est de nous dire clairement, parce que apparemment c'est un peu trouble, on sait, parce que l'aspartame, il n'est pas très bien indiqué sur les produits, c'est un peu ça aussi. Il faut savoir que depuis 1955 environ, on sait que le glutamate monosodique provoque des problèmes de vue. Mais l'aspartame aussi, à cause du méthanol, et ça s'est prouvé depuis des années. Ah oui. Et donc, comme c'est écrit trop petit, les ingrédients qu'on pouvait voir, là, c'est toujours écrit gros, hein, la marque et tout ça, en lettres des fois de plusieurs centimètres. Mais là, c'est écrit toujours petit et souvent illisible. Or, la charte du confiseur prévoit que ça soit toujours lisible. J'ai des boîtes de chewing-gum chez moi, c'est minuscule, c'est moins d'un demi millimètre. Des fois bleu sur bleu ou jaune sur vert ou en tout petit. Bon là, on a de la chance, c'est blanc sur bleu. Et on voit bien marqué ingrédients édulcorants, isomalt, xylitol, mannitol, sucralose, gomme de base, antioxydants, extrait de tocopherol avec émulsifiant, lécithine de soja, arôme, donc arôme du glutamate, humectant, il y a beaucoup d'aspartame, gomme arabique, etc., talc. Et la gomme de base, c'est marqué un dioxyde de titane, donc celui-là c'est aussi une autre histoire, curcumine, bleu patente, V. Donc là on ne va pas mettre le code, on met le nom, comme ça il n'y a pas E quelque chose. Mais le bleu, ça c'était une étude très intéressante qui a été réalisée par le professeur Vivian Howard en 2005 à Liverpool, en Angleterre. Il a mélangé pendant 3 ans du E104 avec de l'aspartame, et E104 c'est un colorant jaune quinoléine qui est dangereux et qui peut être cancérigène éventuellement, plus l'hyperactivité entre autres. Mais ces deux-là mélangés deviennent 7 fois plus toxiques que séparément. Il a mélangé du E133, ce bleu brillant FCF, avec du glutamate monosodique. Et là, ça devenait 4 fois plus dangereux. Donc là, on a fin 2005, d'accord? Début 2006, le fabricant d'aspartame investit 43 millions d'euros pour faire encore plus d'aspartame sur la demande des consommateurs. Les consommateurs en demandent parce qu'ils sont devenus accros. C'est pas parce qu'ils en veulent, c'est parce qu'on en fait prendre aux diabétiques, on en fait prendre aux obèses et on devient dépendant très très rapidement. Et donc du coup, il y a une marque de chewing-gum française qui a fait des chewing-gums au cœur tendre, on connaît la marque, avec les 4 dedans. E133, glutamate, E104, pour faire jaune et bleu ça fait vert, chlorophylle, menthe et compagnie, et aspartame. Ça c'était 2006. En 2008, je me suis retrouvée avec une étudiante en médecine de 22 ans qui mâchait 5 boîtes par jour et qui avait 44 effets secondaires d'intoxication à l'aspartame à 22 ans, en 2 ans de chewing-gum. C'était du jamais vu, sauf qu'elle était...